Right, first game up. Let's go, c'est parti. La France contre l'Europe, c'est ça. Avec Mbia face à Will Tupac. Et MBR qui met Tupac à terre d'ores et déjà avec ce Demon Flip main cross-up et Tupac qui rattaque avec un saut vertical HK. Oh, la téléport n'est pas grillée malheureusement. Tupac qui aurait pu trouver une bonne ouverture de garde ici sur cette téléport assez facilement grillable. Enfui 3, c'est descendu bien là, incassable. Il rattrape l'allié derrière le touch qui se limite contre Viper. Un nouvel Xanokan qui met à terre et la nouvelle démon main. Il décale, il décale, il décale. Prend le Burning King dans la garde, le moulateur, c'est pas safe. Et le voilà, MBR. Maintenant en avance, 1-0 pour ce dernier. Ryan Hart, MBR, Bobby, Veryu composent tous cette exhibition. Mais Tupac a fait une petite erreur en ne punissant pas cette téléport. N'a pas spécialement pris une défaite significative. Bien joué ce peu de grosse balayette dans le saut vertical ici. Il décale bien les bas moyens, par contre il rate sans finissement en terre à Doken. Il coupe pour Thunder Knuckle avec la feinte overhead. Ça c'est gardé, bang, 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 bang. Et Assassin et la taunt. Il rate son combo derrière, il veut mourir Tupac. Il veut mourir, il avait sa mort. Oh, il y avait un Kara Ultra. C'est dommage, il a raté son bas medium kit. Kara cancel, Shinshoku Satsu ici, MBR. Un partout. Dans l'ambiance évidemment de ces 5 versus 5, ces exhibitions. Une grosse hype ici. L'Europe contre la France, la France seule contre tous. Oh, belle couverture du ciel ici. Avec ce burning kick en whiff, il décale bien le bas medium punch. MBR avec une grosse attaque. Mais Tupac qui prend quand même cette balayette. Et il prend le cross-up avec un Doken Verset là-dessous. La balayette est pas ratée ce coup-ci. Nouveau vortex des mains de main. Nouveau vortex. Le Thunder Doken qui se remet séché. Les stuns. Chouch. Hey, hey. Hey, hey, c'est fait. Il est mort Tupac encore. Il est encore mort. Sous. Mais ça. Il est triste Tupac, il est triste. Tupac il saute so strong. Mais il est quand même mort quand même. Dommage pour lui, MPR. Et donc solidement installé dans ce 5 versus 5, il va affronter Luffy. Et sa configuration à lui, hein. Tellement à lui cette configuration. On n'a jamais rien compris de comment ça se configurait. C'est parti entre Luffy et MBR. Qu'est-ce qu'il fait Luffy? Ah, il cherche son casque, je me disais il va se concentrer. Non, c'est pas Conkster quand même. Il cherche pas à se concentrer, il s'en fout. Oh là, il est tellement d'une neutralité. Bon match. Mais il a l'air quand même assez concentré dans sa soi-disant neutralité. Luffy en sous satellite contre MBR. Nouveau costume. Le costume des sables. Un hommage évidemment à Sarah, peut-être sa femme. Très algérien. Reflect. Et le 2MK saut spirale. Pour repartir avec un backdash. Le tout c'est pas de se faire mettre à terre pour Luffy. Il le sait très très bien comment il doit gérer Gouki. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Juste à la grade pour le moment. C'est de provoquer l'erreur de son adversaire. Et une fois que l'erreur est faite, eh bien ce dernier peut prendre l'avantage. Comme ceci, le bas gros pied par exemple, pas safe et bien puni ici. Reflect dans le Haradoken. Il renvoie tous les projectiles ou quasiment dans son achèvement. Par contre, il a pris une balayette. Par contre, il a bien gardé avec un backdash au milieu des links. Et quelques coups encaissés. Sur la mise au courant. Ah, dommage, il a réussi à déchoper ici MBR. Alors que Luffy avait réussi à passer en dessous des Haradoken. Oh bah MP Cooter il va confirmer avec un swash car. Oh là, il décale la chop alors qu'il avait trouvé une ouverture de garde sèche ici. Ultra 2 va dasher probablement sur ce Hexadoken. Dash, il l'a pris sous le trop. Bien entendu avec un petit jump de LK de LP. Décalage de Jump Kick, c'est dans la garde de MBR tranquille. Et MBR bien en retard qui backdash 3. Saving, saving, saving. Il doit récupérer les dégâts saving pour le moment. Luffy est en retard à l'énergie. Tant dominé dans ce match. S'en fout Luffy, bah gros point, saute pas.
Saute pas, on te dit, reste là. Voilà. 1-0. Et un Luffy tranquille qui fait jouer le chrono. Et qui a MBR qui a utilisé quasiment toutes ses ressources. Un cross up, il a mis quand même un 2LK. On a sur Sonic de Deadshot. Dommage qu'il n'y avait pas un gros combo derrière. C'est MBR qui va mettre un point. Et super. Bon, ça va être compliqué pour MBR. Il est poussé jusqu'au coin. Bah, gros point sous le spark. Et gros, bah, moyen point sous le spark. On a pression que met Luffy là. C'est une pression de tous les diables. Il est là seul. Seul avec Rose. Oh, il laisse remettre son stun. Luffy qui met la taunt ultime. Allez, chop, double dash avant. Il prend le vortex. Démon main, démon main. Il backdash Luffy, il est tranquille. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Viens là, je te cherche, je t'attends. Eh, oh, bla. Et c'est ça. Et la taunt ultime qui a bien marché. Et on demande qui va passer. Problème X, Beryu, Ryan Hart. Oh, oh, oh. C'est Ryan, le champion en team du tournoi, qui choisit d'y aller contre Luffy. Et Luffy s'en fout. Non, il laisse sa place, c'était de l'intox. C'est Veryu qui va choisir. Non, c'est Ryan. Non, c'est Veryu. Non, qui y va? Ça y est, c'est bien Veryu. Donc ce sera un match franco-suisse. Le couteau suisse. C'est bien version 2012. Hein. Ryan qui laisse donc sa place à Veryu, le vainqueur du tournoi solo. C'était déjà défait de Luffy. D'avoir donc à gérer à présent. J'ai besoin que de 25% de ma vie pour te tuer. Too easy. C'est trop facile pour lui, beaucoup trop facile. Et c'est parti, Luffy contre Veryu. Le Hayate est chargé à fond, la barre de vie. La barre, regardez la barre s'artirer. Ce gros point bas, MP Hayate avec le set medium kick qui a failli terminer en Karakusa. Il est à terre sur son Tsurugi et il remet une pression sur Sendai Punch. Encore un Karakusa, un gros point avec son Roshi, il est seul. Et Shane. Oh. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, ça joue pas sérieux. Le sous-spark qui casse ici le Tsurugi bien tardif de Veryu. Et Luffy qui va devoir rendre l'affront son gros point. Life Punch va échapper. Yexon Roshi, il est à terre à présent avec le CNHK à la relevée qui le sauve finalement d'un fake Mitty, d'un Mitty raté par Veryu. Et la super chargée pour Luffy. On avance à l'énergie. Oh, saute pas, on te dit, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas comme ça? Alors, pas de Karakusa non plus. Backdash et pas gros point qui wifi prend bas moyen point Yexayate avec la mise au combien joué. Le dash avant Yex Karakusa, il cesse. La barre. Ouh, il n'est pas mort. Il se retrouve quasiment zéro de vital. Il va probablement, très probablement faire Yex sous spirale à la relevée. Non, il ne peut rien faire et c'est fait. Un mind game, un seul mind game a suffi à Veryu pour tuer Luffy. Luffy's out. Et qui il reste dans le camp français? Il reste Rekatek qui va probablement y aller. Oui, c'est lui, Rekatek. C'est une nouvelle technologie. Quelque part. Rekatek contre Veryu dans un match qui promet aussi d'être explosif. Explosif. Puisque ça va être un 7 contre Makoto. Un match évidemment très rapide. Un match-up assez fou. Et il choisit l'ultra, Veryu.
Ultra de gros comeback hein, tout de même. Le battle is set, c'est le cas de dire. Allez c'est parti, Reka Tech contre Veryu. Et Reka qui va devoir faire mieux que contre Mevin. Il a pris la chope, les dégâts de Saving. Oh, saut vertical, petit point. Karakusa avec le gros point. Yate, il fait d'achat au Karakusa, mais le backdash il a quand même évité. Et il a quand même une dotte plein. Il a raté malheureusement le reset juste derrière. La qui finit quand même par passer. Et Veryu qui prend dans ce saut un nouveau saut HK. Il y a Karakusa au milieu des lits qui saxe. Et il n'y a plus pas de. Il n'y a pas de balls tapés en fait. On peut pas taper. Cet état sexué. Ce gros point Tsuru qui gardera pas le backdash et Reka Tech qui s'enfuit le plus possible avec une ultra chargée à fond. Oh, attention à Soyek Sayate là, il aurait pu se faire punir par l'ultra. Soyek qui gagne le combat aérien. Option select dans le backdash. L'option select évidemment d'ultra qui va punir si le backdash. Attention à la mort. Cheese. Il l'a eu. Ah oui, ce jeu, il suffira d'une option select hein. Bien joué avec Orochi, la mise au sol avec un saut vertical HK dans la saving backdash et pas de réaction de Veryu. Bah MP et. Oh ça c'est pas safe ça. Il va prendre cher, se trompe pas. Encore une fois stun. Ah oui là, grosse domination de Veryu. Hayate, Fukiage. Et Veryu qui met un quasi perfect sur son adversaire. Dans ce deuxième round, en encaissant gros point, bien joué cette David Victorite avec un nouveau aspiratron, on ne peut pas trop bourrer, bien son vertical HK en prévention, ou ce dragon Yex vient de choper un Yate. Yex a Yate en punition avec le dragon dans le vent, on va punir, hey hey hey. La mise au sol garantie pour Veryu qui fait une sente overhead juste après et qui prend comme cette descente du pied malheureusement pas comboté. Est-ce qu'il y a ultra là-dedans? Non, ça whiff et la punition n'est pas là, heureusement pour Reka Tech qui évite une grosse punition ici. Oh, un saut HK, dive kick avec la chope évité par un saut arrière. Il n'a pas pris le saut arrière, gros point à Reka Tech. Et ça joue hein, du 1 partout hein, pour le moment. Ayate fin, attaque, nouveau saut gros point. Light punch HP, Yexo Rochir, c'est très mal parti. C'est très mal parti, ce saut à ça. Oh, il a mis le dragon en coup de turret. Heureusement pour lui, avec son vide pile driver. Et Loki Zeme à suivre pour Reka Tech. Dragon cancel. Oh, 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 nouveau pile driver. Et Veryu en grosse difficulté qui va devoir tenter le tout pour le tout. Oh, le grattage au Dragon X qui sanctifie Veryu. 2-0, de partout. Et un Reka Tech qui a bien trouvé les solutions face à Veryu. Encore un match qui ne joue pas à grand chose, mais. C'est joué surtout sur la possibilité de gratter ou non. Et quand l'ultra passe pas, bah pour Makoto ça ne gagne pas. C'est important de se rendre compte de ce genre de statistiques. Et ça va être un 7 contre 7. Il y a 3 7 dans le team quoi. Et ça va être un remake de Mevin contre Reka Tech. Oh, versus symétrique, problème X face à Reka Tech. Ils ont choisi d'aller en versus symétrique étant donné que. Ils ont vu cette marche de l'empereur. La marche de l'empereur là pour le moment. Du côté de Reka Tech qui va prendre quand même son dragon ici. Bien joué le backdash aspiré immédiatement avec gros point. Die sur you. Et à la relevée, le saut gros pied qui rattrape le backdash. Mais à sacrifice. Oh dommage, il rate hein. Franchement, c'est très souvent que problème. Il rate ses combos après l'aspiratron. Très souvent. Et voilà, c'est rendu. Avec Ayakuretsu, une mise au coin. Et il y a de l'ambiance ici. Je vous prie, 3 stuns. Oh ah, c'est sale parce que c'est un stun sec. Et Reka Tech qui est en train de tuer problème X. Ça fait rire en tout cas ici les Européens, le reste de l'Europe. Problème X contre Reka Tech. Et son vertical gros pied bas, petit point, dommage, il a raté son bas moyen point là-dessus. Mais pourquoi ça passe ça? Qu'est-ce que c'est que cette ouverture de garde? Complètement fantaisiste. Voilà, Yexpal Driver à la relevé, seulement dit, il va prendre le coin avec un assez mauvais setup de relevé. Il est obligé, voilà, il a raté son challenge jump parce qu'il n'y a pas de setup prédéfini dans ce genre de situation là. Du coup, eh bien.
Il se retrouve assez bien parti. Double d'achat au Pile Driver où il a tenté le tout. Hein. Il a tenté tout pour le tout. Et Katek qui va pas se laisser avoir si facilement et pas se laisser dominer, même s'il en avance à l'énergie. Pas l'attente. Trop d'achat. Et la whiff finish à l'ultra. C'est normal. Il a expulsé. C'est un gros caca. Allez, le cross-up HK. Et encore cette nouvelle dive kick qui est absorbée par la saving. Oh, je sais pas ce que tente Reka. Il est plutôt passif dans le match. Un petit gros point. Sonic Boom saving dash arrière. Vous avez vu, il essaye de provoquer en fait l'erreur. Nous aurons bien joué ça. Et il a provoqué l'erreur de Problème X. La Dragonia a une distance phénoménale. Vraiment phénoménale. 3 à 2 pour la France. Et le reste de l'Europe qui est bientôt dos au mur grâce à cet homme Rekatek qui n'est pas qualifié pour la Coupe de France mais qui eh bien au moins fait le show ici et maintenant. C'est ça qu'on veut. C'est au tour de Mommy de faire le travail en 7 fait longue. La poignée de main et les conseils juste derrière. De ses coéquipiers. Rekatek a la possibilité d'offrir une balle de match à la France. S'il remporte ce match face à Mommy, ça va être compliqué, mais c'est entièrement jouable. Puisqu'il me semble que Mommy a gagné son bonnet match contre Luffy. Que Starnab lui-même disait qu'il y a des changements hein, dans la hiérarchie des longs en Europe. Oh là, c'est Reka en garde, encore une fois. Pas life punch pour Reka. Oh, c'est la double touche, évidemment. Il y a tous les hits qui passent. Hey, hey, hey. Et remise au sol avec un tenchin peut-être, même pas son medium punch. En fait, cross-up, ça a ouvert la garde, mais il n'a pas trop beau derrière. Mommy préfère être attentif à ce qui se passe. Ouais, mais pourquoi la prise Sonic Boom? Oh là là, il avait gardé le premier. Hey, 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 hey. Devant, derrière, devant, derrière. Il prendra un gros X. Essaye pas de mind gamer. Qu'est-ce qui se passe? Cross-up medium kick avec 2 LK. Et le petit poids. Pec, 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 pec. Et 1-0 pour Mommy. Et quand je dis que Rekatek t'as pas vraiment le droit à l'erreur là-dessus. C'est les Bloodstring avec encore une saving en garde et le repli défensif. Il n'a plus hein, le saut arrière gros point qui rendait cette tellement puissant. Saving en garde avec une palette, c'est pas safe ça. Tellement pas safe, ça whiff. Oh non, non, non. On peut pas rater des punitions aussi données. Le dragon très tardif qui finit quand même par punir avec un dragon bourré au milieu des lignes derrière cette death kick. Le Riku Kaku en juggle. Hey, hey, hey. Sur LP, c'est un gros point. 3 AK, Rekatek qui affronte justement le tech Reka de Mommy. Et qui a plus trop de choix là. Vraiment dos au mur. Il ne peut que faire réagir Mommy. Essayer de lui faire provoquer une éventuelle erreur. Un saut pour placer l'ultra. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Ouh. Je t'attends. Ouh. Je t'attends. Il est en train de le stoner. Il est en train de le stoner 6 fois à l'autre bout de l'écran. Eric, il peut faire qu'envoyer Sonic Boom. Et encore. Allez. Oh, par contre il a pris ce Sonic. Erika va bien sortir de sa tanière à un moment ou un autre. Il a pas envie de sortir sa tanière. Il a envie juste de jouer au Sonic Boom. Il peut même pas le jouer au corps à corps. Il va même pas aller le chercher du match. Et le chrono qui défile. Erika qui a toute sa barre de super chargé. Qui peut tuer en un combo. Mais qui malheureusement ici n'a pas le choix. Il doit se prévenir. Sonic Boom hein, quelque part. Sonic Boom, oui. Oh, petit Shoryuken pour varier. Et toujours une série Sonic Boom. Ouais, on est bien là. On est bien. Sonic Boom. 7, 6, 5. Hey, c'est fini. Ils nous auront fait défiler le chrono quand même. Mais c'est enfin terminé. Et ça fait 3-3. Pour les deux équipes. Oh, mais yes! This is Star Noob! Le vrai, le seul,
The very 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 black guy. Il est là. Let's get started. Fight. Stardap face à Mommy. Oh mais ça va être un Félong, Félong. Ah non, 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 non. Pourquoi ils me font ça? Oh là 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 là. Pour déterminer qui finalement est le meilleur Félong. The Rap. Starnab contre Mommy. De l'aveu lui-même, Starnab a déclaré que la hiérarchie a changé. Oh, mais on voit pas encore la différence entre les deux persos. Alors, Starnab, c'est le noir. Oui, comme on dit. Et comment? Et Mommy, il est en bleu. Voilà, pour ceux qui reconnaissent pas. C'est comme ça. Allez, c'est Starnab qui lance les hostilités en premier avec le Rekka évité par Abagdash. Et un nouveau Rekkaku pour pousser au maximum. Ici, Mommy dans le coin. Starnab prudent qui progresse avec des savings. Allez, ce vertical HK. Et 3 AK à suivre. De LK, Starnab qui est dans sa meilleure position. C'est là où il est le plus à l'aise, hein, probablement, dans le match-up. Lorsque son adversaire est dans le coin. Les Rekka X qui ont fini par passer avec les 2 LK. Starnab qui est très, très, très bien parti. Dans ce 5 versus 5 qui veut rien dire finalement, puisque ceux qui sont censés être meilleurs s'inclinent et ceux qui sont censés être faibles perdent. Gagne, pardon, avec Starnab qui prend le premier round. Sur le dernier Rekka qui est passé chip damage. Hein. C'est assez étrange, mais Mommy il a du mal à gérer le match-up. Le versus symétrique là visiblement. Kaku et Starnab qui met toujours pas de combo derrière, mais je crois que c'est le petit. Il n'y avait pas la combo. Ouais, voilà. Beau décalage, gros point pour mettre la vraie punition. La punition des vrais négros. Il est là, Starnab. Attention à ce dragon encore. Dans les sauts trop évidents. La Starnab qui se fait bien presser. Voilà, par Mommy qui est sorti du pressing. Saving dans le bas, gros point. Avec une nouvelle Rekka dans la gare, pas puni. Il a mis Rekka dans sa tête, il a pas puni. Hein. Il est pas à moins 4 coureurs, rien. Et toujours la saving cassée, bien joué, pas la Rekka X avec le cancel. Le dragon pif qui va se faire punir. Il lui reste quasiment plus d'énergie à Starnab. Le second point échappe. Bouf. Olino Makeda. Un partout entre Starnab et Mommy. Et la hiérarchie qui va se déterminer sur ce simple petit round. Les Rekka X bien utilisés par Starnab qui charge un peu sa barre de super avec un dragon dans le vent à la fin. Après, elle a voulu faire gros point dans Rekkaku. Mais du coup, il se fait punir avec pas petit point Rekka en combo juste après le combo 2X. Et la pression avec les décalages de Rekka. Ça joue en main game. Oh, bien joué. La saving punie par le transformé Medium Kick. Et Starnab qui retourne dans le coin. Elle le Rekkaku X pour sortir du coin. Mais il reprend encore des Rekka X. Et en grosse difficulté, la Starnab. Il faut un gros comeback. Obligé de passer une ultra ou quasiment obligé. Avec un chargement de saving. Je sais pas comment il va pouvoir gérer ce match et cette fin de match avec autant de retard. Il peut pas sauter. Il peut pas faire Rekkaku. Il peut pas trop faire Rekka au pif. Il est obligé d'avancer sur les savings. Et de gérer tout le match au sol ou quasiment. Fait quelques sauts verticales pour essayer de punir un éventuel Rekka qui peut arriver. Il essaie d'attaquer hein, tout de même Mommy alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Et ça s'engage. Ah là là, encore son finage de live. Allez, le vrai combo. Mais non. Fais le combo, s'il te plaît. Ça fait 4 ans que le jeu est sorti. Ah là là. Décale pas MK. Et voilà, évidemment. Et Rekka EX qui termine. Et Starnab, eh bien, qui ne laisse plus qu'une seule chance à l'équipe française. Et cette chance, elle est jeune. Elle est très très jeune. Kusanagi, Mevin Kusanagi. 12 ans. 12 years old. Et le dernier espoir still français. Only 12 years old. Yeah, 12 oh my years god. Yes. I think I remember him when he was 9 years old. Damn. Il grandit le petit. Il a l'ancienne mèche de Justin Bieber. Il est prêt. Shin Justin Bieber. Shin Bieber. Let's go Justin quelque part. Allez Mevin,
Il a plus le choix. Il a plus le choix. Sonic Boom dans la Kukaku, pas d'option select dans ce bas petit point. Elereka encaissé par Kusanagi qui est maintenant proche du coin. Dans le stage infini de tous les faits longs de la terre du monde. Allez, il faut punir ce Reka dans le vent. Et Kukaku, et Stella qui s'aide. Go Life Punch, il veut pas rater son combo. Il met le petit combo, mais ça fait très mal déjà sur 7. Qui a culé, hein. Kusanagi qui a plus trop le choix. Le reste du monde, le reste de l'Europe est en train de s'imposer dans ce défi. Oh, bien joué, lâche avant shop. Qu'est-ce que c'est bien joué ça. Petit setup pour faire un fake cross up et jump kick. Quasiment imbloquable sur la grosse hitbox de 7. Et Kusanagi dos au mur, pile de match pour le reste de l'Europe. Et cross up MK, gros point dragon cancel, Rekukaku, 40% de barre, tiers de vie quasiment. Sonic Boom cancel, Mago, la Kuretsu qui passe dans le airborne du backdash de Momi. Mais Vin qui s'est un peu rattrapé ici, d'autant plus qu'il n'y a pas de Reka derrière ce bas petit point. Il est un peu mieux, resaving. Ah, back throw avec le dash avant. Dive kick évité par Rekukaku, mais s'en fout. C'est safe. Resaving encore là-dessus. Et il essaie de choper les Reka. Saving back dash avec une nouvelle dive kick. Il met pas de dragon, il bourre pas encore de dragon. Il prend les dégâts de saving. Mais Vin qui met dragon dans sa tête avec dash avant. Pas le driver, qu'est-ce qu'il y a? Et un nouveau mix-up à la relevée de garantie. Un petit jump de LK, on la garde. Et dash avant chop. Cross up mesdames qui gagne mal. Il peut toujours bien jouer. Il va prendre l'ultra. Et c'est terminé. C'est fait. Momi élimine la France sur un simple petit backdash. HDMI plus de signal. Et le reste de l'Europe s'impose sur une simple petite erreur, une minuscule petite erreur de Mevin et la vraie punition des vrais, cet ultra. Waouh, 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 waouh.